Bonjour. Bon, alors aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment on peut modéliser un livre comme ça. C'est pas très compliqué. Moi, je vais utiliser Blender pour faire cela. Et on y va, hein. Parce qu'avec des mots, on peut faire beaucoup de choses, mais le concret, c'est mieux, hein. Allez, go. Donc là, j'ai mis le. Comment ça s'appelle? Le streamcast. Ça vous permettra de suivre toutes les actions que je fais. Donc là, ouais, clic droit, clic gauche plutôt. Middle. Alors, voilà. Là, ça sera bien plus pratique pour tout le monde. Alors, une petite seconde. Hop. Nana. Voilà, on va attaquer doucement mais sûrement. Donc au cas où que ça intéresse quelqu'un, le plugin, je l'ai pris sur YouTube, c'est Yanaman. Et voilà, Yanaman Shortcut, c'est le plugin qui permet de voir comment fonctionne, comment... Oh putain. Le raccourci des touches, voilà. Voilà, ça c'est fait. On va attaquer. Bon. Là, je passe en mode silence radio. Bon, pour le tuto, si vous voulez pas vous embêter, est-ce que vous pouvez faire? Bon, enfin, moi je les garde, hein. Mais après on peut les masquer éventuellement. Vous allez ici, tac, et tac, et vous masquez la caméra et la lumière. Si elle vous embête. Voilà. Donc alors je vais faire la base, on va dire. Alors on pourrait s'y prendre de plusieurs façons. On pourrait s'y prendre de plusieurs façons. Soit on le fait en un seul bloc, ce qui n'est pas une mauvaise option. Ou on le fait en plusieurs parties. Si on le fait en plusieurs parties, il est préférable. Ben si on le fait en un bloc, c'est un peu embêtant parce que tu ne pourras pas l'animer. Voilà. Alors on peut toujours animer, mais ça pourrait être compliqué. C'est pas le but de ce tutoriel. Par contre, je vais le faire en plusieurs morceaux, tout simplement pour vous montrer. Ah, juste une façon de faire très très simple pour une petite clé d'animation qui fera que on pourra tourner la page une page du livre. Voilà, alors on y va, on commence, hein. Parce qu'on parle, on parle, mais ça avance pas beaucoup. Attends, on va même boire un café, on n'est pas fait pour laisser refroidir. Hein? Ah oui, pour ceux qui auraient l'œil aguerri, là, vous voyez, j'ai la version 2.9.2 en alpha. C'est une version qui permettrait de, qui permet, qui permettrait, qui permet, qui est en alpha, mais qui permet déjà de faire du nodal procédural. C'est-à-dire, vous pouvez faire des objets avec des nœuds. Les nœuds, c'est, on va en voir un ou deux tout à l'heure, vite fait. Lorsque je passerai au texturing de l'élément. L'élément libre. Voilà. Donc là, j'appuie directement sur la touche S. Et moi, ce qui m'intéresse là maintenant, ce serait plutôt de. Voilà, on va agrandir directement l'objet. Comme ça. Bon, après, je trouve que quand même l'objet, il est quand même relativement haut. Donc, ce que je fais, hop, je vais mettre l'épaisseur de mon livre. Voilà. Mais là, j'ai encore un petit problème, c'est que bon, c'est un livre carré là, hein, on est d'accord. Donc c'est pas ce qui m'intéresse forcément. Donc pardon, excusez-moi. Ce que je vais faire,
Oh, c'est pas bien. Rôti sur YouTube, c'est pas bien, ça se fait pas. Alors, ce que je vais faire, là, je vais faire un petit Z en Y. Le Y. Voilà, comme ça. Hop. Comme ça. Voilà. Là, j'ai quelque chose de correct. Alors, je pourrais me contenter de ça et me dire, voilà, ça c'est bon, avec ça je peux directement faire les pages de mon livre. D'ailleurs, tiens, ça je vais le nommer de suite ici, je vais l'appeler page. Mais ce que je vais faire avant, parce que c'est sympa, mais il y a quelque chose, c'est pas comme ça, hein. C'est pas terrible, hein. Enfin, c'est sympa, c'est un cube aplati, hein, donc rien de très sympa dans un cube aplati. Mais bon, voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais appuyer sur Tab. En appuyant sur Tab, je passe en mode Edit. Et en étant sur le mode Edit, maintenant, je vais faire un Ctrl R. Et en faisant un Ctrl R, je vais aller sur cet axe-là. Je vais multiplier ici, un petit peu. Voilà, ici, comme ça. Et un petit peu plus même, pour en avoir. Voyons voir. Encore un. Ouais, c'est bien comme ça. Voilà. Hop. Là, on est bien. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre le proportional editing. Et je vais prendre une face, seulement la face du centre. Ok. Et je vais la déplacer. Je vais la déplacer. Mais je vais faire, quand je vais la déplacer, vous voyez, hop, j'ai un énorme cercle qui aurait dû se faire. Mais bon, c'est parfait, c'est tant mieux. Je vais réduire un peu, voilà, pour que ça n'agisse que là. Voilà. Là, je l'ai fait dans ce sens-là. Ça fait un petit peu la courbure des livres. Tu vois? Ah, c'est cool. Voilà, on va aller de l'autre côté. Bon, j'aurais dû compter peut-être. Ou même peut-être prendre les deux. Au lieu d'en prendre qu'une, ça aurait été peut-être mieux. Donc, on a fait une bêtise, on a fait CTRL Z, on revient en arrière, on en prend deux. Pour en prendre deux, je reste appuyé sur CTRL, sur Shift plutôt. Et je refais la même chose. Là, je vais hop, incliner dedans. Là, c'est mieux, tu vois, c'est plus régulier, c'est mieux. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends celui-ci et celui-ci. Mais là, au lieu de rentrer, je vais tirer. Hop. Voilà. Et là, on est bien. Là, c'est bien. Voilà. Là, on va dire les pages du livre. C'est cool. Alors, ce que je peux faire maintenant, et c'est une façon de faire aussi, comme une autre, c'est par exemple, je prends ça. Tac. Je vais prendre toutes ces parties-là. En fait, je vais prendre toutes ces parties-là, ouais, tout à fait. Je vais faire ça. Je vais faire un schmilblick. Ouais, voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac. Je prends la page du dessous. La page du dessus. Je vais faire un contrôle. Contrôle D. Hop. Déplacer un tout petit peu. On fait même pas. Ouais, tac, ça a été fait. Le truc a été fait. Et maintenant, je vais faire. Un P. Un P. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là en fait? En faisant le contrôle D, j'ai dupliqué ce que j'avais sélectionné et j'en ai fait un autre objet. Un autre objet. En fait, j'ai extrait des faces de cette modélisation. C'est-à-dire que maintenant, si je ferme, ben, si je ferme, si je masque ici en appuyant sur l'œil. Voilà, on n'a que ce que j'ai sélectionné. En fait, ça va me donner la couverture. Ouais, ça va me donner la couverture. Alors, voilà, je vais remettre le truc, comme ça c'est bien. Donc là, je vais sortir du mode Edit, repasser en mode Objet. Alors, je clique là, mais je peux très bien taper sur Tab. Hein, en cliquant sur Tab, on jongle, on passe d'un truc à l'autre, hein, d'accord? Donc là. Je vais renommer, c'est plus pratique. Bon, quand on renomme, c'est bien plus pratique. Donc, je vais l'appeler couverture.
Ouverture ou reliure. Reliure, c'est mieux. Reliure. Ouais. Reliure. Voilà. Relieur. Ah. L'orthographe et moi, ça n'a jamais été un grand amour. Mais bon, ça. Voilà. C'est dit. Alors. Faut que j'ai ça. On est bien là, hein, on est déjà bien. Ce que je peux faire, c'est je vais faire un tout petit S. S, c'est pour agrandir la forme. Je vais faire S1.05. Voilà. Donc là, ça m'a permis d'avoir. Vous voyez, l'objet qui a été légèrement agrandi. Et dans l'élan, je garde aussi la. C'est juste ce que je veux, en fait. Voilà, c'est juste ce que je veux. Après, on peut passer en mode ici, modifier. Et je vais lui mettre un solide. Un solidifies. Bon, pas l'américain et tout. Solidifies. Voilà. Solidifies, c'est l'épaisseur en fait. Voilà, tac, un petit peu d'épaisseur. Et ça y est, vous voyez, le livre est quasiment terminé. Une fois que j'ai ça, ce que je peux faire. Là, ça a vraiment gonflé. Hein. Le coin du livre, ça fait pas trop. C'est pas tip top. Peut-être je me suis un petit peu emballé là. Hop, 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 hop. Parce qu'il m'intéresse surtout, c'est de faire une épaisseur là, en fait. Hein. Ici. Voilà. Donc là, là, on est bien. Même, ouais, 1, c'est bien, ça suffit. On a une épaisseur du livre. Et c'est très bien. Après, ce qu'il faut voir ici, c'est quand on fait ça. Là, c'est pour voir tout le maillage. Le maillage, c'est-à-dire les traits, les points, tout ça. Et quand on regarde le maillage, il faut aussi voir les phases d'orientation. Là, vous voyez, on est tout bleu. Donc, c'est parfait. C'est parfait. C'est nickel. Si on avait eu des faces rouges, bah, ça n'aurait pas été bon. Ça aurait voulu dire que, tout simplement, vous auriez eu des normales inversées. Et en fait, les normales inversées, c'est moche dans le sens où normal inversé, c'est à cause de ça que des fois, quand vous faites un objet, on voit à travers. Parce qu'en fait, voilà, la normale est inversée. Et c'est la raison pour laquelle on voit à travers l'objet. Certains objets. C'est un problème assez, assez fréquent quand on modélise très vite. Mais là, bon, c'est pas le cas parce que je vais relativement doucement pour vous expliquer. Donc là, on est en mode objet. Hop, on peut virer le mode normal. On appelle ça normal, les normales. L'orientation des normales. Voilà, tac. Je dégage de là. Ce que je vais faire, parce que là, c'est bien beau, mais là, j'aurais plutôt envie de faire en sorte que cette partie-là. Avec un. Alors, l'orientation aussi, c'est bien parce que vous voyez dans quel sens vont aller les axes. Quand j'appuie sur la touche J, je vais n'importe où. Tu vois, je peux aller n'importe où. Mais j'explique qu'après avoir appuyé sur le J, j'appuie sur le X, je vais contraindre un déplacement sur un axe. Et là, c'est l'axe des X. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller par là. Hop. Donc là. Hop. C'est bien, hein. On a collé un peu, pas trop, juste ce qu'il faut, et c'est cool. Par contre, une chose qui me dérange et que je vais donc de suite régler, c'est l'épaisseur du livre. L'épaisseur du livre. Donc, pour l'épaisseur du livre, donc. Je repasse, je suis toujours en mode objet. Là, j'appuie sur Tab.
Je vais prendre. Ici, on sélectionne soit c'est les points, soit c'est les edges, et soit c'est les faces. Les faces, hop, voilà. J'ai envie que ça soit un petit peu plus épais. Mais pour ce faire, si je veux que ça marche, j'ai oublié un petit détail. CTRL Z. Je ne sais pas si je l'ai dit beaucoup, détail. Il faudrait que j'ai d'être, trop répétitif. Ça risque d'être saoulant. Donc voilà, ici, tac. Je fais applique. En fait, là, j'ai appliqué le modificateur sur mon objet. Donc, du coup, ça veut dire que maintenant, j'ai plusieurs faces que je vais pouvoir. L'épaisseur que j'ai mis maintenant va pouvoir être exploitée en mode éditable. Donc là, hop, je passe dessus, je reprends juste la face de dessus. Et là, je peux mettre de l'épaisseur. Et là, ça va marcher. Par contre, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être qu'il faut simplement que je fasse une. Ou sinon, bon, là, ça marche pas. Hein, pas pourquoi. J'ai eu l'impression d'avoir mis une épaisseur. Je la vois. Mais elle n'est pas. Elle est pas trop là, quoi. Donc, ce qu'on peut faire, on peut mettre un petit peu d'épaisseur au bouquin, parce que c'est rare d'avoir des gros bouquins comme ça avec des reliures aussi fines. Ça peut exister hein, dans les livres de maintenant, c'est un petit peu souvent ça qu'on vous propose, hein, avec des trucs cartonnés, avec du carton tout pourri. Mais nous, on va faire un beau livre, donc il nous faut une reliure un petit peu épaisse. Alors, ce que je vais faire, je vais simplement appuyer sur E. Voilà, hop, on va faire ça. Oh là, on appuie sur E et que on est trop pressé, on fait des bêtises. Voilà. Donc là, j'appuie sur E et je vais monter un petit peu en épaisseur. Voilà, là j'ai mis l'épaisseur du livre, l'épaisseur de la couverture, on va dire. Voilà, on va l'appeler comme ça. Alors, ce que je pourrais faire de suite, c'est détacher. Donc là, on l'a, hein, il est bien. Il faudrait faire la même chose de l'autre côté. Donc on reprend la face. Hop. On fait E. Et on descend à chouïa. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, pour affiner un petit peu le travail, parce que sinon, ça fait un petit peu moche, c'est prendre les deux lignes qui sont là, dessus, et les faire se déplacer avec la lettre J et le X dans cet axe-là. Mais avant de faire ça, il faut désactiver le proportional editing. Voilà, juste ça. Et là, on est bien. Voilà, là, on a quelque chose. C'est beau, c'est propre. Après, si on veut peaufiner, pas une obligation, mais ça peut donner un petit plus, on va dire. On pourrait très bien chanfreiner tout ça. Toi, chanfreiner le livre. Chose que j'ai pas faite hein, sur l'autre version de l'image que je vous ai montré en amont. Je ne l'ai pas faite. Donc là, on pourrait dire que le livre est fait, mais à aucun moment je ne pourrais. À aucun moment je ne pourrais faire tourner cette page, la première page, parce que ce qui nous intéresse c'est bien beau, bon, on peut mettre ça dans les bibliothèques, hein, c'est pas un problème, hein. Directement ça nous fait un beau livre, on lui met une couverture, pas d'un couvert, on peut se contenter de ça, déjà c'est un bel objet, hein. Mais bon, en peaufinant un peu, ce qu'on peut faire déjà ici, sur les arêtes, on prend les arêtes ici, tac, ou ça, ou en appuyant sur 2, hop, voyez, on passe en mode, on passe les modes différents. Donc le 1, c'est les vertex, le 2, c'est les edges, et le 3, c'est les faces. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les edges. Si maintenant je prends cette edge là, voilà. Simplement cette edge là, et que j'appuie sur la lettre B,
contrôle et B. Je m'éloigne un peu, faut pas être trop près. Ouvre et B. Voilà. Donc, voilà, contrôle et B. Et que je déplace après mon... Ah, il y a un truc qui s'est passé là. C'est bizarre parce qu'il m'a pris le... Il m'a fait une face. Ouais, on peut faire ça. Mais vous voyez là, il y a une couille. Alors c'est très bizarre. Bon. CTRL Z. On peut revenir en arrière. Hein. On va virer ça, ça, ça. Les deux extrusions que j'ai faites, elles vont disparaître normalement si je vais assez loin. Hop. Voilà. Parce que là, il dit qu'il y a une épaisseur, mais tout à l'heure, il apprenait pas. Et quand je déplaçais, forcément. Si j'avais laissé le proportional editing, ça pouvait que couiller. Voilà. Donc là, j'ai monté un peu. Voilà, c'est mieux. Et je vais faire la même chose en dessous. Pour la face. Et je la descends un peu. C'est pour ça que je ne comprenais pas tout à l'heure. J'ai dit, putain, il y a une épaisseur qui s'est créée, mais je ne la voyais pas. Voilà, on va dire que c'est à peu près pareil. C'est au feeling, hein. C'est pas... Voilà. Alors, après, ce qu'on peut faire avec cet objet, là, c'est passer en mode... Alors, soit on fait les arêtes, soit on fait un beau petit bevel. C'est bevel, c'est-à-dire on va lisser légèrement les arêtes qui sont très vives. En utilisant un modificateur, et ce modificateur, c'est le modificateur bevel. Voilà, tac, ça donne quelque chose de sympa, sauf que voilà. Alors, si j'agrandis un peu pour voir. Voilà, là avec ça, on a des arêtes qui sont moins vives et ça présente mieux. Mais en règle générale, après beaucoup de discussions sur les forums avec des amis, il est souvent préférable avant de mettre un bevel, il est souvent préférable avant cela de découper ses UV. De découper ses UV et de finir l'objet en partie. Après seulement tu mets l'adoucissement des arêtes et tout ce que tu veux. Donc ce que j'ai fait là maintenant, c'est bien. Et on va simplement le faire plus tard. Pour que ce soit plus joli plus tard. Donc je l'enlève. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, moi, maintenant, c'est... Déjà, je reviens un truc, là, c'est bon, tac. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de pouvoir faire tourner cette page. La page de ce livre. Alors, pour ça, on va utiliser ce petit stratagème. Hop. J'appuie ici. Ici, maintenant, je fais CTRL et plus. Tu vois ? CTRL et plus. Et encore CTRL plus. CTRL plus. Allez, il cargue le truc. Alors, non, là j'étais trop loin.
Tu vois, contrôle plus, je l'ai fait deux fois. Donc, si j'en ai mis un peu en trop, je fais contrôle moins. Tu vois, alors contrôle moins, simplement, hop, on revient un petit peu en arrière. Alors, j'ai fait ça pourquoi? J'ai fait ça pour récupérer ma première page que je vais découper en appuyant sur P. P, voilà. P, ici, tac, et là. Donc, je sors du mode Edit, passe en mode Objet, hein, passe en mode Objet. Je prends lui que je viens de créer, qui est là, hein, toc. Alors, une chose qui est bien, bien de faire, je viens juste de faire ma page de reliure ici. Une chose aussi qu'il faut faire si on veut que ça marche ici, on s'en va ici dans préférences. Là, on fait F2, F2. Voilà, mèche F2. Voilà, c'est ça, tac. Je l'active. Et en fait, là, maintenant, c'est un petit truc qui est bien pratique en fait, qui permet de. Bon, je vous laisserai voir dans la documentation à quoi ça sert, hein. Mais en règle générale, c'est pour rajouter des faces. Donc, si maintenant je passe en mode edit ici et que je prends celui-ci, le edge ici et ici, voilà, et que je fais un petit, c'est pas forcément nécessaire parce que ça, c'est pas un truc qui sera vu, hein. Mais par souci, on va utiliser les gros mots, par souci protocolaire, on va dire comme ça. Si j'appuie sur F, voilà, ça m'a mis une face et ça bouche le trou. Parce qu'on sait jamais si vous faites un gros plan ou quoi, c'est pas, même si vous avez envie que ce soit clean, bah, vous pouvez faire ça. Voilà. C'est pas une obligation, mais bon, moi je le fais. Voilà. Donc, ça c'est la reliure. On va la fermer. Hop, je fais apparaître l'autre. Et là, évidemment, il y a la même chose qui se passe là. Hein, de ce côté-là. Hein. C'est ouvert là. Hein. Là, on voit bien que c'est ouvert. Et donc, on passe. Hop, on prend lui. On passe en mode Edit. Je vais prendre la face du haut. Et la face du dessous, voilà, j'appuie sur la touche F. Si j'ai bien cliqué où il fallait, parce que ah, j'ai fait bêtise. J'ai cagade. Donc, quand on fait connerie, on appuie sur CTRL Z. Alors, hop, hop. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre cette face-là et celle-ci et de faire un F. Voilà, là on voit bien, c'est bien fermé. On est super clean. Voilà. Alors, maintenant, on a fait le gros de la modélisation. Voilà, on a fait le gros de la modélisation. On a notre bouquin. Hop. Passe en mocap. Peut très bien prendre celle-là, tac, une cavity, et voilà. Et là, vous voyez, on a notre bouquin. Pour passer dans ce mode-là, si ça vous intéresse, voir différentes choses. Là, on a enlevé la lumière, donc on voit que dalle. Et si j'appuie sur la touche 0, là je passe en mode caméra. Si je me mets sur le ici dans Viewer, Camera to View, avec la roulette, ça me permet de bouger directement dans la scène. Si par contre je ne l'ai pas coché et que je tourne, là c'est la totalité de ma scène qui bouge. Mais c'est la fenêtre, hein. Il n'y a rien qui va interagir dans la fenêtre de la scène. Donc le mieux,
c'est d'être dans la caméra view, comme ça vous permet de bouger comme bon vous semble. Voilà. Après, quand vous êtes dans votre caméra, si vous avez envie, vous pouvez très bien par la suite faire vos modifications de caméra comme bon vous semble. Mais là, bon, bien sûr, il faut sortir du mode edit. Voilà. Filmé. Tu es sur YouTube en direct, hein. Voilà. Merci ma fille. Super. Ça, c'est la famille. Bon, c'est pas grave. On va continuer quand même, hein. On va pas à l'entraînement, elle est en mode feignasse. C'est une athlète qui a pas envie d'aller courir parce qu'il fait froid. Bon, je retourne sur Facebook. Sur Blender, voilà. Donc voilà. Là, on a en partie notre bouquin qui est dessiné. Je sais pas combien de temps ça fait que j'ai commencé le tuto. Trop d'un coup, ça pourrait être chiant. Donc je vais stopper la vidéo là maintenant. Et je vous ferai un tutoriel pour le texturing spécifique à ce livre prochainement si ça vous intéresse. Mettez des pouces. Voilà, si ça vous intéresse, vous mettez des pouces. Si ça vous intéresse pas, vous mettez rien. Si vous l'avez regardé, c'est bien. Si vous l'avez pas regardé, tant pis pour vous. Mais bon, je vous en veux pas. Hein. Mais pensez à mettre des pouces, c'est bien. Ça me motive, ça me booste. Bon, du coup, elle a même éteint la lumière, donc vous ne me voyez plus. Presque, mais c'est pas grave. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.